Bonjour, moi c'est Aurélie. Bonjour, moi c'est David. On a acheté une maison il y a quelques mois qui était un peu dans son jus des années 80, donc on a décidé de la rénover. Donc on a commencé par les chambres et on s'est vite rendu compte que la peinture qu'on utilisait, l'odeur persistait pendant plusieurs semaines et du coup on s'est demandé si c'était bon pour la santé. Du coup on a choisi une peinture éco-responsable donc à base d'algues, ouais, qui est fabriquée en France, donc ça s'appelle Algodeco. Avec 98% de composants naturels. Elle est faite à base d'algues. On a choisi une peinture lessivable couleur oléron. C'est une couleur jaune pâle. Donc on l'a pris en satin. Avec 2 litres, on peut faire 24 mètres carrés. Pour bien appliquer la peinture, commencez par dégager les angles au pinceau. Puis prenez un rouleau en microfibre de 14 mm et appliquez la peinture de haut en bas et de gauche à droite. Terminez par un dernier passage pour bien la tendre de haut en bas. Comme vous pouvez voir, la peinture est très couvrante. Elle couvre presque instantanément le gris foncé alors que nous avons une peinture claire. Elle est facile d'application, elle a une bonne texture et elle sèche rapidement au bout de 30 minutes au toucher. Il faudra quand même attendre 4 heures pour passer une deuxième couche. Pour avoir un rendu plus tendu et une finition parfaite, vous pouvez diluer la peinture avec 5% d'eau. Bon bah voilà, on a terminé, on a dû faire 2 couches. Du coup, toi tu recommanderais le produit ou pas? Oui, moi je recommanderais le produit parce qu'en fin de compte, il couvre énormément. Pour un jaune pâle, je pensais qu'on aurait dû falloir en mettre 4 couches. Là, 2 couches, tant les fonds étaient gris foncé. Plus l'odeur, on voulait quelque chose de naturel et de sain, ben, du coup là ça sent rien du tout. On ne sent pas les solvants et l'odeur ne reste pas, donc je pense que c'est plus sain pour la maison. Bye bye.